Une station de pilotage! Mais non, Doc, c'est juste un simulateur de conduite. Nom de Zeus! Marty, mets-toi sur la pédale d'accélérateur! Nous sommes en automatique! Oui, mais pourquoi? C'est ma Ferrari à l'écran! Vous avez une Ferrari, Doc? Oui! Enfin, je l'avais louée et modifiée à ma manière pour mes expériences! Puis j'ai récupéré son embrayage pour la DeLorean! C'est le top départ! Mets-toi sur la pédale, Marty! Il faut que l'on atteigne les 88 miles à l'heure! Mais Doc... Il faut toujours tenter dans la vie, Marty! Et là, c'est une coïncidence! Il y a mon ancienne voiture toute prête, dans une simulation, dans un monde parallèle au nôtre! Il se passera forcément quelque chose! Ça, c'est la nouvelle classe A. Comme toutes les voitures, elle a un tableau de bord. Et vous pouvez le faire ressembler à ça, ou même à ça. Ouais, pas mal celui-là. Et vous la contrôlez comme ça. Eh, Mercedes, il commence à faire chaud ici. Je règle la température sur 21 degrés. Ou comme ça. Le contrôle vocal est dingue. Eh, Mercedes, mets-moi du hip-hop. Hey Mercedes, roule à 180 km/h, wesh! Très bien! Ça n'accélère pas, bon sang! Affirmatif, régulateur de vitesse enclenché, vitesse stabilisée. Wesh, Mercedes, commande-moi une GT86. Très bien! Ouais, et ta cote Argus là, celle-là va combien? Eh, j'ai pas le permis! Eh, les policiers! Je suis bourré! Bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier Blasplay, on est parti pour l'épisode 11, il me semble, de Super LOL Saga, saison 2. Et je pense que ça va être le dernier épisode de cette saison 2, ça va clôturer cette saison 2. Je crois qu'il va passer, il va se passer beaucoup de choses, hein Luigi. Hein Luigi, il va se passer des choses. C'est parti. Voilà, des ennemis, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, ils ont juste changé les couleurs et c'est bon, c'est des nouveaux ennemis. Ah d'accord. Ah, nouvel ennemi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut faire quoi avec ce truc? Si je saute direct dessus. Ah, ça lui fait quand même des dégâts. Je m'attendais que ça fasse que 1 et 1, moi, avec un truc comme ça. Ça a l'air costaud. Fiche. Il fait mal, hein. Ah, purée, mais... Oh là, Mario, il est vraiment pas doué. Oula. Mais comment on sait s'il tire en haut ou en bas? Bon, allez, car la passe. Yes. C'est pas trop un sac à HP, ça passe. Ah mais du coup, les champignons... Ah ouais, j'ai pas grand-chose. Et j'ai que dalle niveau fric aussi. Ouais, je suis un peu dans le caca quand même. Bon, j'ai du ultra champi. Quelques pastilles. Pas beaucoup, hein. Bon. On va faire avec. On va faire avec.
Je sens que ça va être assez chaud. Est-ce que j'ai des objets? Objets frères. 19 canons, mini chomp. Bon. Fleurs clonées, j'en ai vraiment beaucoup. Bouquet, ça peut le faire. Ouais, les canons, j'en ai pas tant que ça. 19, ça peut partir vite. Ça peut partir vite. C'est vrai que... Là, on va affronter Fichtre. J'allais dire qu'on allait affronter, voilà, la reine, la princesse Xampi. C'est pas n'importe qui. Il se peut qu'il y ait quelque chose en plus après. Et oui. Et oui. Ou pas. Ne m'écoutez pas. Alors, on va, hop, aller là-haut. Voilà, on va faire encore ça. C'est passionnant. C'est éducatif, voilà. C'est vraiment... On travaille en équipe, et ça c'est beau. Mais c'est aussi du recyclage. Après vous me direz... Le recyclage c'est bien. Mais pas dans un jeu vidéo. Oh! Il est pas mal ce truc là, là, bleu cosmique. Bon après, il faut le mettre à qui? Et plus Mario parce qu'il a une défense un peu moisie. Bon. Je sais pas. Ah si, plus Mario quand même, parce que quand il contre, il fait très mal. Grâce à un badge que je lui ai équipé depuis un petit moment. Et en plus avec cet équipement là, il doit faire encore plus mal. Donc ouais. En espérant qu'il y ait un bleu cosmique Luigi aussi plus tard. Un deuxième bleu cosmique pour Luigi. Ah là je sais ce qu'il faut faire. Faut tout simplement... Parce que si on fait ça et ça... Normalement on est timé. Ah c'est ça, on est timé. Bon bah faut que Mario Luigi soit de l'autre côté. Tout simplement. Hop. Nickel, voilà. Hop, les ennemis là, dans le château, ils sont beaucoup plus costauds à l'extérieur. Il va falloir aller à droite. Oh le fichtre. Oh non. Si tout le monde attaque, on est dans la merde. On est dans la merde, on est dans la merde. Luigi fait pas de la merde. Ah oui, mais là, ça, c'est une esquilade. Ah bah le premier game over. Après, continuer à partir du château de Peach ou utiliser la dernière sauvegarde. On n'était pas si loin que ça. Hein. Voilà, bah c'est ici. Ah, c'est un peu abusé ça par contre. L'espèce de dinosaure Yoshi violet là. C'est n'importe quoi, on peut... ils sont inesquivables quoi. T'es obligé de te faire toucher. C'est con. Parce que en fait... On est obligé de le rapetisser. Et le problème c'est que vu qu'il attaque en premier tout le temps, voilà. Ah bon, est-ce que j'ai... Oh non! Je n'ai plus le super équipement de tout à l'heure. Bon bah vaut mieux revenir. C'est quand même déjà, vous avez vu, même avec le super équipement, hein, Mario il s'est fait même maraver la gueule. Ah. Luigi number one. Alors, qu'est-ce qu'on peut évoluer? Ah bah plus si, ça fait plaisir. La défense. Ah d'accord. Bon, de toute façon les Mario ils sont toujours nuls pour avoir des bonnes caractéristiques. Hein. Et à Luigi je suis sûr qu'il a fait un truc de beau gosse. Ah bon, ça va.
Et Mario, toujours pas d'évolution. Ah d'accord. C'est... Comment ça se passe? Il lui faut plus d'expérience que les autres. C'est bizarre ça. Alors, il a mouru trop de fois. Yeah, Mario! Level up! Et c'est de la malle! Voilà. Hop hop. Allez, on a le bleu cosmique, on va récupérer l'équipement. Le cosmique à Mario parce qu'il est moins fort. C'est toujours défoncé, je sais pas pourquoi. Il est charmant, mais Mario. Toujours que celui qui est là en premier. Hop. Ah, le sauvegarder. Du coup. Il n'est plus le problème du plantage du game capture. C'est plus le game capture. Oh. Maintenant, je peux sauvegarder. Bon, le dinosaure, faut le tuer direct. C'est le pire. Ah, s'il s'attaque, oh, il se fait un autre truc. On vient le tuer. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah quoi? Il meurt jamais? Il va au diable? Quoi? Oh mais non! Oh là, c'est vrai qu'il fait ça. Bon, on le tue déjà. Hop, pardon. Et comme ça, il peut nous faire un peu d'XP. C'est vrai que plus on tue l'autre, plus on gagne de l'XP. Hop. Oh mais j'ai sauté là, c'est abusé. J'ai sauté mais je sais pas, j'ai mis en lag. Oh, la chance. Ah, d'accord, c'est qu'il vraiment faut sauter avant même qu'il commence quoi. Ça. Ouais, puis lui à côté évidemment. c'est inverse. Ah, vrai. C'est crève. Ouais, il a deux tours en plus. Il peut le soigner et en plus de ça, il peut attaquer après. Voilà. Ça c'est bien l'IA ça. Ah, faut sauter bien avant. Hop. Okay. Alors, moi je suppose qu'on va plutôt faire. Le sœur des bonnets ils sont assez proches. Deux vrais, forcément plutôt. On va faire plutôt. Non. On va faire celui-là déjà. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que si on ne les touche pas, ils ne se réveillent pas. On est plutôt tranquille. Hop. Ouais, par contre, voilà, on peut essayer ça. Ah, mais c'est ça en fait, il attaque vers le haut au premier tour et pour le deuxième, il attaque vers le bas. C'est toujours ça. Ah, bon, la première fois, on est obligé de se faire bas, mais normalement, après, voilà, on a compris le délire. Mais moi, je mets du temps. Je trouve un moyen de me faire monter les bébés en haut. C'est ça le truc. Ah. Yeah, Luigi number level up. Alors, on level up assez rapidement là. Ouais, ils sont, ils ont une défense de merde quand même. Hein. Mais bon, la vitesse c'est toujours 6. Mais est-ce que la vitesse ça sert vraiment à quelque chose? Non. Faudrait tomber sur un 5-6 là. Mais j'ai tellement de la chance que je vais tomber sur un 1. Mais avec Luigi, on a souvent un peu plus de chance que Mario. Il peut se passer un truc. Oh! Après. Oh là, Luigi, il tombe tout le temps! Pas possible! Ah d'accord. Bon, on s'enfuit. Ça, c'est une technique, vous allez voir. Une petite technique, un peu commune. Il suffit de s'enfuir, et comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser un champignon. Car Luigi, eh bien, il est de retour. Là, on va se faire sur l'ennemi. Yeah, Mario niveau 22. Alors. Que 2? Mais c'est parce que c'est Mario. Eh ben Mario, oui. Alors. Tout. Non, pas ça. Petit coup de défense. D'attaque au pire. Ah purée, le fichre.
En même temps, les bébés, vaut mieux que ça soit l'attaque, vu qu'ils sont pas souvent confrontés à la défense. Bon, sauf là. Parce que j'ai fail. Et j'avais la flamme d'utiliser des one-up. Donc j'ai pris un petit risque. Par contre, pour monter... Pas trop monter ici, là. Ouais. Pas trop d'endroit pour monter, là. Non, bon, bah tant pis, on va faire d'abord en diagonale. On verra bien. Normalement, voilà, ils sont assez grands pour toucher le bloc. Hop. Oh, les petites sauvegardes là. Il faut toujours sauvegarder. Alors, on a quand même gagné 2 levels. Yeah, level 23. Yes. Plus 4, ça c'est beau. Ça, c'est une nouvelle évolution. Wouhou! Ce cri maléfique, hein. De la victoire, là. Défense, défense, défense. Purée, le fichtre. Toujours le chiffre le plus faible, hein, Mario. Là, c'était 3 le plus faible à ce moment-là, donc... Enfin, là, c'est 6. Plutôt l'attaque. Ouais, bof. Plutôt l'attaque, les bébés. Hein. Allez, un petit coup de PV. Hop, on sait jamais. On ne sait jamais. Une nouvelle zone. Vaut mieux sauvegarder. Parce que les game over peuvent vite arriver à cet endroit-là. En même temps, je préfère retourner. Hop. Ah ok, c'est aussi barré ici. J'allais dire que je préfère retourner en arrière pour voir, mais finalement on peut pas faire grand-chose. Hein. Faut prendre les tunnels. Pas grand chose à dire, y a pas grand chose à commenter, y a des ennemis, on se fait chier. Ah mais là je me force hein, à combattre plein d'ennemis. Alors évidemment que je couperai la plupart, je couperai au montage. Mais voilà, je m'efforce à combattre pas mal d'ennemis pour me faire de l'XP. Et là, comme par hasard, lui, il fait son attaque à la con comme ça, alors qu'il est grand. Purée, à croire qu'ils ont vraiment une intelligence artificielle. Et que c'est pas choisi au pif via RNG. Enfin, via la RNG. Oh, ah d'accord. Un papy avec son petit-fils. Un peu comme nous, sauf que bon... Les adultes ne sont pas des papiers quand même. Mario Luigi, je sais pas, ils ont peut-être dans la trentaine. Oh, l'esquive. Oula, attention. Ouais, il fait du kung-fu. Ouf. Oh, le papy avec sa canne. Ah, aucun respect. Hein. Aucun respect pour ses aînés. Envers ses aînés. Hop. Ah, mais il récupère toute sa vie. Oh la purée. Yeah, Luigi niveau 24, attention. Tout peut arriver. Plus 2, c'est tout. Bah oui, tout peut arriver. Même le pire. Ah ok, on se fait attaquer par des soucoupes volantes. On peut pas aller à droite ni à gauche, c'est ça. Les vaisseaux dans le ciel nous empêchent de progresser. Je me demande s'il existe un moyen de les chasser. Pour l'heure, cherchons une autre route.
Merci. Très utile, si bien dire. Ah. Ah oui. Faut aller le plus vite possible tout en haut. Balançons les bébés. Allez, 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 allez. Hop. Ah, ça met trois plombes le jeu à démarrer. L'espèce de temps de chargement. Là. Ah purée. Il se bloque partout. Il n'y a pas la skill, là, il n'y a pas la skill. Ah là là, de Zeus. Eh bah c'est fail. Ah c'est vraiment juste hein. C'est hyper juste. Sachant qu'on peut pas tricher parce que les bébés ils sont trop petits pour toucher ce bloc. Donc on peut pas tricher. Ah là quand même. Là je suis large. Ah quand même que 4 secondes. Hey, hey. Ils ont vraiment fait un truc de fou moi Nintendo là. Ah c'était à l'époque où Nintendo il faisait des jeux plus compliqués. Hein. La Wii pour casual n'étant pas encore sortie, enfin pas complètement. Ou elle venait tout juste de sortir. Parce que c'était en 2006 qu'est sorti Super Mario Luigi. Fin 2006, je crois que c'était la Wii, ça. Hop. Bon, on va voir ce qui va se passer. Cela ne m'inspire guère confiance. Cette chose vient de bouger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Prenez les commandes et anéantissez ces vaisseaux Xampi. Wow. Et bien sûr, brillant! Quel stratège, ce Luigi! Il a souvent joué à Rome Total War, non? Et c'est grâce à Luigi qu'elle exploite. Mais oui, c'est clair! Quant aux commandes... Bien sûr. C'est compatible. Oui. Vous devez tout d'abord frapper le bloc qui flotte là-bas. Frappez-le, s'il vous plaît. Ok. Ah. Des blocs sont apparus, n'est-ce pas? Et le compteur qui est là-bas a également bougé. Vous devrez pouvoir arrêter le compteur en frappant le bloc correspondant. Oui, en théorie, mieux vaut vérifier cette théorie avec le bloc de bébé Luigi. Intéressant. Le vaisseau Xampi s'élève à une distance équivalente à celle indiquée sur le compteur. Maintenant, demandons à bébé Mario de frapper un bloc. Waouh! Oui, c'est ça, excellent! À présent, c'est au tour de Mario! Hein? Vous voulez aussi essayer, Luigi? D'accord, à vous! Oui, le bloc de Mario est différent des autres. Vous comprendrez quand vous l'aurez touché. Allez-y, Mario! Oui, bah c'est pour tirer, quoi. Voilà. C'est tout. Ça tire un beignet violet. Regardez comme ce bloc émet un rayon lumineux. D'ailleurs, ce bloc émettra un rayon, même si vous ne frappez pas les trois autres. Et ça, c'est beau. Ces maudits vaisseaux sont réapparus. Je le vois grâce à ma vision infrarouge qui peut transpercer les murs. Hélas, nous n'avons pas le temps de nous entraîner. C'est le moment d'être un peu sérieux, je compte sur vous. Vous voulez que je répète mes explications pour être sûr? Non. Cycle de chance initié, je vais vous guider.
Alors bébé Luigi fait un petit saut. Bébé Mario essaye de faire comme bébé Luigi. Voilà. À toi de jouer Mario. Ah oui, je vous explique tout parce que vous ne voyez rien. Fantastique. Essayons de détruire un autre vaisseau Xampi. Bébé Luigi, fais le plus que tu peux. Toi aussi, bébé Mario, tu peux le faire. Luigi, essaye de pas trop... Hop, de mettre une petite puissance. Et autour de Mario. Parfait. Ils reviennent. Vous devez pouvoir détruire ces vaisseaux de la même façon. Cycle de chance initié. Hop, bébé Luigi. Allez Mario. Bébé Luigi, fais un tout petit saut. Ça, c'est parfait. Parfait. Sauvegardons. En tout cas, la petite valise nous a bien aidé là, sur ce coup. Elle n'a pas fait son Captain Obvious, comme à son habitude. Deux tunnels. Un raccourci. Ça c'est pas le fait. Ah, je pense que là je commence à me faire un peu de blé là. Normalement, ouais, 1404 pièces quand même. Bon, ça part vite, mais on va pouvoir un peu upgrader notre inventaire. Un peu se remplir les poches hein, de champignons. Parce que c'est vrai que j'en ai pas tant que ça. Ah, là c'est encore une nouvelle zone. Je pense que c'est la dernière zone ça. C'est la dernière zone. Ah, et ce qui me plaît c'est qu'il n'y a plus d'ennemis. Ça c'est bien. Il y a des énigmes et pas d'ennemis. Ça c'est perfect. La princesse. On dirait qu'elle ne peut ni nous voir ni nous entendre. En même temps, c'est logique, hein. On est quand même éloigné là. Là, c'est une caméra qui la filme. Ah, quoique. Cette fois, est-ce Mario? Il est venu pour moi? Il est possible que la transmission ait été établie au moment de la pacte. Et quel génie ce bébé Mario. Je suis enfermé dans la salle au sommet de la statue. Mais comment? La transmission a été interrompue. Les écrans de contrôle semblent avoir été détruits. Toutefois, nous savons que la princesse Peach va bien. Je crois que ce tuyau mène au niveau supérieur. Oh. En avant, tout le monde. Retour à l'action. C'est parti. Alors déjà, il y a pas mal d'objets. Hop. Plus 20 pièces, comme ça, tranquille. Ouais, on va pouvoir... Ah, plus 2 bouquets, ça c'est pas mal. Ça m'a vraiment aidé hein, pour combattre des ennemis très rapidement. Ah, qu'est-ce qu'il montre là? Un chomp qui est noyé? Un chomp qui se noie et comment ça se passe? Ah d'accord. Ah là là, c'est le chomp qui a changé la trajectoire de nos chers plombiers. Ah, je me souvenais plus du tout de ça.
Yeah. Je me souviens plus du tout de ça. Cette zone, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Je me souviens plus du tout de ce truc-là. Ah, et du coup, il y a le raccourci, là. Bon, est-ce que... Ouais, je pense que je vais les faire maintenant. Quoique non, il reste encore un tunnel là sur la droite. Donc on va faire ça après. De faire les emplettes là. De récupérer quelques champignons parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça. Va falloir... ouais, faut viser grand hein, parce que le boss final, hein, il fait mal. Il fait très mal. Oh là là, encore ces énigmes. Ah, il se répète souvent quand même. Il se répète souvent Nintendo. Yeah, number 24. Ouais, attaque. Oh, plus 6. Alors, voyons là. Bof. Ouais, le mieux c'est ça quand même. Ah, plus le caractère. Il se passe quelque chose là. Autour de bébé Luigi. Oh, ça c'est pas des niveaux qui servent à rien. Ça c'est beau. Hop. Et bon, je pense que niveau 24 ça peut aller. Hein, pour la fin. Ça semble pas énorme, hein, mais bon. Ah d'accord, il y a carrément un deuxième truc comme ça. Ah oui, purée. Purée le fruit, je crois en fait c'était immense. Je vais essayer de tenir ça dans un épisode, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être un épisode hyper long. Ça va être un épisode... Enfin, ça va être vraiment l'épisode ultime. Un peu comme dans la saison 1, où l'épisode faisait 1h30 presque, non? Il me semble. Hop. Là, il n'y a pas grand chose. Ok, ça sent l'énigme avec les tuyaux là. Peut-être que les bébés ils vont aller dans les espèces de tunnels là. Bon, vous remarquez aussi que je prends jamais les fèves parce que ça sert à rien dans cet épisode. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Pas à grand chose. Alors que dans l'épisode suivant, ça va être assez intéressant. En voyage au centre de Bowser. Mince, j'ai planté le bouton. Hop. Le pont s'ouvre. Et que se passe-t-il? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah bah merci. Ah, il est vraiment sympa ce chompa. Hein. Ah ok, bah voilà, je me disais bien. Bon, pourquoi ils reprennent pas les bébés? Voilà, c'est bon. Je crois qu'ils allaient abandonner les bébés ici. Mario Luigi, là. Oh, on a plus besoin de vous. Allez, démerdez-vous. Mais Mario, ce sont que des enfants. Comment vont-ils se débrouiller? Sans argent? Bah, ils s'appellent Mario et Luigi, voilà. Ils vont se débrouiller, t'inquiète pas. Bon, c'est un peu inutile cette phase. Hein. C'est... Allez, Babouche, comment on fait pour aligner les étoiles avec le chomp? Et bien sûr, regarde, Babouche, le chomp est complètement à droite. Du coup, ben voilà, faut faire une ligne horizontale. C'est trop dur! Ah bah non, c'est pas ça! Ça casse le truc! Ah bah non, bah faut faire une diagonale alors. Hop! Petite diagonale.
Bah oui. Logique en fait. Et je vois pas l'intérêt de cette phase en fait. Alors peut-être que si on se plante trop, et bah game over. Le chomp il se barre et. Hasta la vista quoi. Et. Il est plus là. Donc là faut faire diagonale en haut. Voilà. C'est très compliqué. Ah mais vous savez, il y a le niveau facile, il y a le niveau normal, il y a le niveau difficile, et il y a un niveau encore plus hard, c'est le niveau Dora l'exploratrice. Et là on est au niveau Dora l'exploratrice. Clairement. Faut beaucoup de savoir-faire, de skill. Ah. Là par contre ça se gâte. Bah du coup, je sais pas, on va faire celui-là. On va faire celui du au centre là, je le sens bien mais. Peut-être trouver l'intrus. Hein. C'est pas ça. Ah par contre. Là c'est plus compliqué. Ah ok, je sais lequel c'est. C'est celui qui mâchouille plus rapidement là. Ah là. J'ai trouvé le truc. Ça, c'est quand même pas trop dur. Hein. Hop. Allez, bouffe-moi ça. Eh ben c'est ça. Voilà. L'énigme à la fin, elle est passée en Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice à niveau facile, attention. Allez, fiche, en fait, je vous ai pas dit, mais Dora l'exploratrice, c'est le niveau plus simple. J'ai pas dit difficulté dans l'ordre. Facile, normal, difficile. Ah. Voilà. On va pouvoir passer tranquillement. Ah, j'ai peur. Un jumpscare. Non, c'est bon. Ah, sinon, on aurait besoin de G-Luigi. Ou Gluigi. Si vous voulez. Qui est Gluigi? Bah c'est tout simplement. C'est tout simplement la réincarnation de Luigi en chewing-gum, ou en je sais pas quoi. Voilà, en gelée. Voilà. Donc, comme ça. Et donc il peut passer partout, entre les barreaux, tout ça, voilà. Il peut se faufiler. Voilà, c'est la nouveauté de Luigi's Mansion 3. C'est fou. Alors on est bientôt à la fin là. Hop, on a réussi à monter en haut. Faut surtout pas tomber. Ah, de toute façon les ennemis ils sont tous morts là. Ils ne repopent pas, je pense. Ils repopent que si on quitte ce monde. Ce niveau. Après, il reste ceux-là, mais voilà, ils sont pas très costauds. Hein. Ah, purée, s'il y a un gros, bah salut. Ah, s'il y a un gros, moi je m'en casse. En plus, c'est bébé Mario, bébé Luigi, c'est moins important. Pas trop besoin de les leveler, ceux-là. Hein. Les leveler, voilà, c'est magnifique ce mot. Ils ont pas trop besoin d'être plus forts. Ah, vite fait en attaque, mais bon. C'est un peu secondaire, les bébés, hein. Hop, hop, hop. Après. Du fric. Belle esquive. C'est quand même l'un des seuls Mario où il faut sauter par-dessus l'ennemi et non dessus. Voilà, on peut pas passer. Ah, c'est un petit labyrinthe. Ah, j'ai eu peur. Hop, j'ai cru qu'il y avait un espèce de
une espèce de bruit incroyable en fond. Je sais pas si... Je pense pas que vous pouvez entendre. En fait, au début j'ai cru que ça venait de mon PC portable qui chauffait à max. Et en fait c'est juste qu'il y a beaucoup de vent. Et qu'il pleut. Et que c'est un temps de merde. Parce que la Bretagne. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Purée. Ah, purée, c'est trop... C'est trop compliqué de les esquiver. Ouais, et puis en plus, il y a les fantômes, là, c'est mort. Les fantômes mascas, là, ils upgradent à fond les ennemis, et s'ils upgradent en plus un dinosaure violet, là, c'est mort. Hein. Ah non. Je vais pas passer 10 ans contre les ennemis, moi. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Ouais, moi, je me barre. Au pire, un peu de pièces, mais c'est pas. Bon, on n'en perd pas beaucoup. Ça doit être 7 pièces à peu près par fuite. Bon, à peine 10. C'est pas la mort. C'est pas la mort qui prend la vie, mais la vie qui prend l'homme, la mort. Là, c'est magnifique. Hop, je suis toujours vivant. Rassurez-vous. Mais je fais maintenant des chansons de merde. L'écriture est morte. Ah ah, on se rapproche du but, on se rapproche, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Attention. À gauche, je sais pas ce qu'il y a. Ah ok. C'est juste pour... Ah, fichtre. C'est juste pour le raccourci. Ça. Ah, deux super one-up, ça c'est pas mal. Ah, trois canons, ça c'est bien, ça fait plaisir. Alors par contre, je sais plus ce qu'il a, Luigi, comme badge. Enfin, je crois que c'est Luigi. Voilà. Moins il vous reste d'objets, plus vous infligez de dommages. Ok, c'est Luigi, toujours. Et le badge riposte pour Mario, ok. Classique. Donc c'est bien Luigi qui a le badge surpuissant. Enfin, celui de Mario est pas mal non plus. Ah. Ouh là 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 là, mais c'est le jackpot ici. Ah, ça sent vraiment la fin là. Ouh là 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 là. Oh là là, que des objets de ouf. Bon, à part la fleur de glace, bof, mais sinon, c'était pas mal. Ah. Je vais ouvrir cette porte. Parce que je sais que c'est pas complètement la fin. Ah. Ah, c'est ça la dernière zone. Là, c'est sûr et certain, c'est la dernière zone. Où, hop, encore une sauvegarde. Je sais pas pourquoi ils mettent des sauvegardes partout, là. Oula. Il a fait un saut bizarre, Mario, là. Un petit glitch. Oui, alors, c'est pour le speedrun, hein, vous voyez. Hop, alors, on va se régénérer un petit peu, quand même. Alors, oui, ça va faire repopper tous les ennemis, mais c'est pas grave, parce qu'on va pas retourner. Voilà, là, on a le petit raccourci. On peut arriver directement, quasiment à la fin du château. Donc ça, c'est plutôt bon. Il va arriver à la fin là, le boss final, il va être vraiment balèze, donc faut vraiment voir haut en fait, faut viser haut, faut viser haut en termes d'équipement. Je sais plus, je crois que c'était là, non, ça c'est le sous-sol. Faut que je remonte. Et là, on est vraiment prêt, équipé à 100% là. Attention, il y a rien à côté. Attention, c'est le suspense. Que va-t-il se passer? Je ne crache pas sur des champis. Ah, quoique, la champi tout court, pas terrible. Maxi champi, ça fait plaisir. Ultra champi, pas mal. Mario! Ah,
c'est lui! Mario! Mes capteurs émettent un signal! Oui, il n'y a pas de doute possible! L'étoile cobalt est extrêmement agitée! Elle essaie de nous dire quelque chose, laissez-moi traduire! Je voudrais tous vous remercier pour ce que vous avez fait. À présent, nous devons nous séparer. Du moins, je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire. Continuez tous à chercher la princesse Peach. Pendant ce temps, je vais tenter de localiser la princesse Xampi. C'est en gros ce qu'elle a dit. Je n'aime pas cette étoile. Elle est partie à présent. Allez! Nous devons nous dépêcher de retrouver la princesse. Eh ben, let's go. Hop. Hop. C'est là que tu te dis, quand il y a autant de champignons là, offerts, c'est là que tu te dis que... on va pas être contre n'importe qui. Mario! Excusez-moi de vous interrompre. Ça risque de vous paraître soudain. Mais vous voulez bien sauvegarder notre progression ici? C'est juste que mes capteurs prévisionnels émettent un signal. Nous ne pourrons plus reculer une fois que nous aurons passé cette porte. Je prédis l'avenir. Je n'aimerais pas avoir initié un cycle de regrets. Il serait raisonnable de sauvegarder, non? Vous ne voulez pas sauvegarder? Sauvegarder, d'accord? Retour à l'action! Hop! Ah! Bon, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ah, du coup, je vais faire deux sauvegardes, non? On peut pas faire une copie? C'est un peu bête si on peut pas faire une copie. Ah, on peut pas faire une copie. Merci infiniment d'avoir fait tout ce chemin. Qui sont ces adorables bébés? Oh, serait-ce possible? Ces bébés sont Mario et Luigi, n'est-ce pas? Oui, le Mario et Luigi du passé. C'est si bon de voir que vous allez bien. Hélas, cette zone est protégée par un mystérieux champ magnétique Xampi. Il sera certainement difficile de passer au travers ou de le contourner. Au fait, comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? Je croyais que les Xampi avaient aussi érigé un barrage à l'entrée du château. Quoi? L'étoile cobalt? Vous cherchez ces fragments ici au château? Mais c'est... ce n'est pas... serait-ce possible? Mario! Vous devez m'écouter. Je... l'étoile cobalt? Oh, c'est canard, là. Mario! La situation est critique. Il faut arrêter le vaisseau mère, ou cet endroit va disparaître. En fait, je crois qu'il y a un port aérien pour les soucoupes volantes là-haut. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose si vous alliez là-haut. Allons voir! Avec une soucoupe volante, il nous resterait une chance d'arrêter le vaisseau mère. Il faut faire vite! Ne vous inquiétez pas pour moi.
Je vous attends ici, et j'espère tous vous revoir bientôt. Merci, Pépé Mario. Mario, tout le monde, sauvez le royaume champignon, je vous en supplie. Ah, de Zeus. Peach avait trop de lignes de dialogue. Compliqué de faire sa voix. Du coup, qui est très mal faite d'ailleurs. Alors, 103 PV, ok, ils sont tous full HP. Par contre, le gros problème, c'est que si je sauvegarde, on ne pourra pas faire machine arrière. J'hésite parce que je suis niveau 24. Je me souvenais que déjà niveau 27, j'avais galéré. Alors après, peut-être que maintenant il y a l'art skill, mais... Quand même. Bon, je vais pas sauvegarder. Ah, mais je suis stupide, pourquoi j'ai pas triché en faisant ça? Ah, fiche. Ah là 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 là. Non, je rigole, allez, faut pas tricher, c'est pas bien. Voilà, encore une phase comme ça. Voilà, je pense que tout va se passer en musique. Avec un petit montage vite fait. Parce que bon, ça revient un peu au même. Hein. Voilà, on va être contre un gros vaisseau Xampi. Allez, cette fois-ci, on a une barre de vie, attention. Allez, donc faut toucher le gros vaisseau. Ah, ça fait rien. Ok. Wow, cette esquive. Ah, mais du coup... Ah, ok, faut envoyer les autres vaisseaux sur... Ça doit être ça. Ah, c'est ça. Ah, et par contre, c'est chaud. Ah, c'est pas si simple que ça. De toute façon, faut attendre. Voilà, alors là on va essayer de l'avoir, tac tac. Alors d'accord, il se met trop haut. Ah mais il se met vachement haut, ce fourbe. Ah purée de fichtre. Touché. Touché coulé. Ah purée. Ah le fou. Monte jusqu'au bout. Ah purée. C'est pas facile. C'est le bordel. Bah, il monte tout le temps, c'est ça le problème. Voilà, enfin. Purée. Ah. Ah, et puis là, il est tout le temps en haut. Bah oui, je peux pouvoir le toucher. Ah là 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 là. Donc peut-être si on reste ici. Ça c'est du bien joué. Ah le fichtre. Vaut mieux esquiver là. Ouf. Ça touche pas, ça touche pas. Oui. Ah là là. Bon du coup il va être à cette hauteur, ok. Il change pas d'hauteur normalement. Ah. Ah si je crois. Ah ok, là il est tout en bas. Génial. Ah purée le fichtre. Ah là 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 là. Ça touche pas normalement. Purée. Cette box elle est énorme quoi. Problématique. Et là ça l'a pas touché, purée.
Et moi, je me suis pas fait toucher, là. Allez donc, c'est un bug ou... Comment ça se passe? C'est bizarre. Oumo. Ah, purée. Ah, pourquoi il descend d'un coup, lui? Hop. Fichtre. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Ça l'a pas touché. Génial. Un game over. Bon. Ah, rejouer le niveau avant de sauver Peach. C'est pas mal ça. Ah, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Ah, mais c'est pas mal, donc on peut sauvegarder quand même. Bon, par contre là, ça va être chiant. Parce que là, voilà, je vais tout passer. Bon, là, cette fois-ci, on va sauvegarder, hein. Faut pas décoller. Long d'une lanière en cuir, avant de frapper cet album de sauvegarde, écoutez-moi! J'ai analysé le programme de vol que j'avais téléchargé à partir du vaisseau mère. Oui, je peux exploiter ces données afin de vous permettre de voyager dans le temps. Au moyen de ce programme, vous pouvez retourner dans le passé proche. J'ai décidé de l'appeler téléporteur fourre-tout. Et si vous avez oublié de prendre ou de faire quelque chose, je peux vous conduire au moment qui précède le sauvetage de Peach. Que souhaitez-vous faire? Sauvegarder. Ah, et du coup, si je refais la sauvegarde, il redemande, c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est bizarre ce système. Bon. C'est assez étrange. Du coup, hop. Ils auraient pu juste... Enfin, on aurait pu juste revenir. Enfin, je sais pas. Après, si, c'est logique, en fait. C'est logique qu'il fasse ça, parce que là, on se fait attaquer par un vaisseau. Donc le fait de revenir tranquille dans le château de Peach avant, c'est bizarre. Enfin, voilà. Faut pas laisser Peach se faire mitrailler, quoi. Pendant que nous, on fait nos emplettes. Ah, donc c'est reparti. Allez, fourre-tout, guide-nous. Mais je te double plus, parce que j'ai la flemme. Ça, comme ça. Oh, oh. Ouais, mais le premier c'est le plus dur. Ok, il va tout en haut quoi. Il est vraiment tout en haut. Oh, pas les boum. Oh, boum. Faut y aller direct. C'est plus simple quand on y va direct. Ah purée, pourquoi il fait ça? En fait, c'était bien là-haut. Ok. Boum! Allez! Ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Ah, purée, les fiches, toi. Ah, ça le touche, yes. Yes, speedrun. Il a rien compris de sa life. J'ai même pas besoin de faire un montage, là. Même pas besoin d'accélérer ou de couper quelques parties. Tellement que c'était rapide. La skill. Ah, voilà. C'est vrai qu'il y avait cette phase-là avant, bon. C'est pas ouf. Enfin bon, on va dire que... Au moins, c'est original. Oh. Sauvegardons encore une fois. Si tu veux. Donc si, en fait, on peut sauvegarder avant. Enfin, on peut sauvegarder. Et on peut revenir. Ça, c'est bien. Parce que sinon, si on peut pas revenir et qu'on n'est pas assez haut level, c'est un peu con. Oh, Mario et Luigi, merci du fond du cœur. L'impact du vaisseau mère a détruit le barrage. Oh, yeah.
Princesse Kebab ? Ça y est, enfin ! Maintenant, tu ne sers plus à rien, Peach. Il est temps que je me débarrasse de toi. Ta gueule ! Sans ici. Ce royaume est à moi. Je vais tous vous détruire. Je vais tous vous détruire. Je vais vous détruire, bordel de kebab. Hop. Wow, c'est horrible. C'est psychédélique. Je me souvenais pas que c'était aussi horrible que ça. Ben voilà. La princesse Zampé. The final battle. Hop. Bon, ces attaques ne sont pas très dures à esquiver, hein. Pour l'instant. Hop. Hop. Ah oui, ça c'est plus compliqué déjà. Hop. 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 Wesh, 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 je suis en retard là, wesh. Vas-y, il y avait des embouteillages là. Ah vas-y, voilà, c'est pas le cas là, je suis parti là. Ah, vous avez commencé sans moi là, wesh. Ah vous m'avez dit... Vous m'avez dit 19h pile là, et 18h57 là, vas-y là. Est-ce que vous allez combattre Zampi là à 19h là. Bon alors, c'est-il pas là. Ah voilà, la princesse Zampi, grande monarque... des champignons Zampi là qui ressemblent à rien là, wesh. Bon, en tout cas, là, parce que je vois là. Ah ouais, vous vous débrouillez bien quand même, les plombiers. Vous êtes full HP là. Et en plus. Eh ben, son bouclier est bientôt détruit. Ah, et ben voilà, c'est pas fait. Ah, c'est là qu'il va falloir bourrer la princesse. Son village beau, bien sûr. Attention. Hop. 162 de dégâts. Ah là là, la princesse. Elle ne fait pas dans la dentelle. Oh, cette vieille expression, je sais pas d'où elle sort. En tout cas, ça commence à être un peu plus compliqué chez les plombiers. Sachant que c'est un adversaire assez redoutable qui peut empoisonner très rapidement les plombiers. 195 de dégâts, ça fait très mal. Bon, Mario est malade, mais on s'en fiche. Continuons, voilà. C'est mieux, faut la bourrer. Avant qu'elle reprenne son bouclier. 162 de dégâts. Qu'est-ce que c'était que cette attaque? Ah bah oui, il faut vite qu'il saute sur l'étoile, sinon... Sinon elle y reste. Ah, c'est pas possible. Les plombiers n'ont peut-être pas réalisé que qu'il faut vraiment sauter dessus. Ils se prennent l'étoile en pleine face. Voilà, un petit ultra spastil là. Ah, ça fait du bien à la gorge. Bon, non, on... Voilà, les plombiers préfèrent continuer. Hop, à fond, le canon. Hop. 162 dégâts, c'est quand même pas mal. Ah, et elle récupère son bouclier psychédélique. Bon, c'est pas bien difficile à esquiver. Et c'est assez prévisible comme attaque. Hein. Aussi prévisible que Nantes qui perd contre Monaco, hein, voilà. Tout simplement. Oh là là, il y a eu une chance. Le bouclier a eu mal, je pense. Alors, on voit pas les dégâts. Causé sur le bouclier, ça c'est bien dommage. Et ça, mais les plombiers se disent que ça sert à rien d'utiliser les objets, car bon, le bouclier est quand même facilement cassable. Ah là là, chance, ils ont vraiment beaucoup de chance, le problème c'est que ça arrive que sur le bouclier, il faudrait que ça arrive aussi sur la princesse. Alors, en tout cas, ça gère quand même entre les plombiers là, ils sont à fond. Ça va pas avec l'équipe là, ça va pas avec l'équipe à la Splatoon là.
pour qu'ils se comprennent, qu'ils se trouvent au bon moment. Alors voilà, Mario est assez malin, il utilise directement des pastilles avant de détruire le bouclier. Comme ça, ça leur permet, comme ça, ils vont pouvoir avoir plus de vie contre la princesse Zampi à terre. Et finalement, wesh. Oh là 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 là, elle s'est pris une méchante rafale de son attaque. Un méchant contre. Oh là 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 là, mais pourtant Mario l'a sauté sur l'étoile, mais ça fait aussi mal, donc je ne sais pas comment ça marche. Oui, même moi, par le calu, je pourrais pas faire une attaque aussi inesquivable. Sans ce sont deux dégâts. Oh là 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 là. On dirait que la princesse Xampi est passée en mode berserk. Ça va peut-être faire mal. Oh là là, ça c'est bien joué. Ah, évidemment, quand c'est Luigi qui contre, ça fait moins mal. Il n'est pas équipé du badge cheaté du contre. Wesh, wesh, wesh. Oh purée. Ah, Mario n'a vraiment pas de chance. Il a pile poil 17 PV. S'il se fait toucher, oh là là, c'était chaud. S'il se fait toucher, il meurt direct. Et bon, il continue à prendre du risque. Des risques. C'est évidemment, faut en finir au plus vite. Hein. C'est quand la princesse est en mode berserk, ça risque de faire mal. Ah voilà. Le retour du mode bouclier, wesh. Sur la partie la plus délicate, hop là. Ah, c'est encore à elle de jouer, mais ouais, elle triche, wesh. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, vas-y. Les plombiers, vous pouvez tricher aussi. Faites un point de récupération, là, wesh. Ah non, moi, épargne, je suis pas tombé aussi bas, je décline ton offre. Ah, oh, wesh, mais elle triche. C'est n'importe quoi, wesh, elle est toute seule et elle joue deux fois. Vas-y, là. Elle va pas jouer une troisième fois. Ah, c'est bon. Ah, du coup, les plombiers, ils vont récupérer un peu de vie. Voilà, alors, Mario, Ultra Champi, Super Champi, il hésite. Ah, Ultra Champi, quand même. Ah, faut pas déconner, là, pour remplir un sacré vide, quand même. Pour remplir ce gros vide, il faut forcément viser gros, voilà. Ah, je suis désolé, j'ai plus d'idée. Oh, attention. Bon, la princesse Xampi n'a pas beaucoup d'attaques, quand même, différentes. Elle fait un peu le tour de ce qu'elle a. Ah, quoique, petite surprise. Ah là là là, quelle fourberie, en plus elle rejoue. Ah, vous êtes sûr que... non. Bon, c'est ma dernière offre, voilà. Ne faites pas de point de récupération, si vous voulez, hein. Ah là là là, elle a attaqué directement, même si elle attendait pas. Bon, c'est pas grave, parce que Mario, il va encore faire un super champi. Enfin, super champi, le du ultra, parce que bon, là, faut pas abuser non plus des ultra champi. Ça risque d'énerver notre princesse. De se soigner à chaque fois. En tout cas, elle ne sait pas viser, ça c'est de la chance. La chance des plombiers. Ah là là, elle a prévisé. Et elle attaque encore, mais c'est pas possible. C'est au moins la troisième fois qu'elle attaque, wesh. Oh là là, Luigi, il a rien compris à sa vie. Pourtant, il a fait attention, mais il n'avait pas encore le bon timing. Encore ? Pas possible. Ah, mais c'est ça, en fait, le mode berserk, c'est qu'elle peut tricher. C'est qu'elle peut attaquer deux fois, wesh. Ah, purée, c'est seulement moi, j'avais récupéré aussi le mode berserk, là, dans la saison 1. Ah là là. Bon, c'est répétitif, wesh. Voilà, c'est pas visé. Voilà, c'est qu'à moitié visé. Ah là là. Elle s'obstine, hein. Elle est obstinée, quand même. Elle veut absolument me toucher avec ça. Wesh. Mais ça ne prend pas avec les plombiers. Luigi, il faut qu'il sorte un objet. Un objet vachement puissant. Et sur lesquels ils ont très peu de stock. Donc je pense que trampoline, voilà. Trampoline. Il n'y en a que 13. Je pense que ça peut faire mal avec son badge. Ça peut le faire. S'ils réussissent, wesh. Un 13, c'est pas génial. Un 18, c'est pas mal. Alors si les plombiers arrivent à garder le rythme, ça peut faire mal à la princesse. Ah, fail. 214 de dégâts. Ah, c'est pas génial. On aurait pu faire mieux avec cet objet. Ah là là, faut sauter au bon moment. Le problème, ça va hyper vite à la fin, c'est pas possible. C'est quoi cette attaque? Bon, Luigi, il a deux tensions. Oh. Oh là 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 là. Et c'est juste par un vieux contre de Luigi de 20 dégâts qui a démoli la princesse. On va quand même se finir sur un vieux contre dans ce jeu.
Ah, c'est magnifique. C'est quand même beautiful. Moi, je trouve ça magnifique, ouais. Mais bon, c'est quand même un peu triste, hein. Finir cette saison 2 sur un vieux contre. Ah, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Bon, je vous laisse l'histoire. Là. Je vous laisse la fin, là, le ending. A plus. Nous devons quitter cet endroit au plus vite. Regardez, c'est l'étoile cobalt que vous cherchez. Elle est presque complète. Regardez, Mario. C'est moi qui détiens le tout dernier fragment. Avec ce morceau, l'étoile cobalt va enfin retrouver sa splendeur d'origine. Oh yeah. Mais... je dois empêcher que cela n'arrive. Hey, hey, si vous pensiez que j'allais renoncer au trésor, c'est que les apparences ne sont pas trompeuses. Vous êtes vraiment bête. Tout le temps que j'ai passé à attendre dans l'ombre va enfin payer. Je vais mettre la main sur tous les trésors, ils sont tous à moi. Maintenant, c'est à ton tour. Ma sœur, la reine du kebab. Ma lunette sera jamais malade. Que ça donne, puis que ça donne, que comment ça donne, Akino? Tu veux le frit, tu veux le frit, quoi? C'est pas que c'est léger, c'est ne mange pas. Mais, que se passe-t-il? Tu veux le dégager, quoi? Que comment ça donne, Akino? De l'étoile cobalt. Il y avait une autre princesse Xampi à l'intérieur. En effet, la princesse Xampi a une sœur jumelle. Nom de Zeus. Oula, elle a pris du poids, sa sœur jumelle. C'est pas la commande. Oh, monsieur, sandwich foulé. À mon arrivée, dans le passé, la princesse Xampi m'a attaqué. J'ai immédiatement pris l'étoile cobalt, la source d'énergie de la machine spatio-temporelle. Oui, j'ai enfermé la princesse Xampi à l'intérieur, puis j'ai détruit l'étoile. C'est alors que la jumelle de la princesse Xampi m'a prise au dépourvu et m'a ensuite capturée. La réunion de tous les fragments de l'étoile cobalt a redonné la princesse Xampi tous ses pouvoirs. Fichtre. Elle va tout détruire. Vous me faites bien rire. Tête de champignon. Attends, on va pas faire une voix à la Bose. Vous me faites bien rire, tête de champignon. Vous avez réuni les fragments stellaires sans vous douter de la vérité. Enfin, je suis libre. Cette terrible étoile cobalt n'existe plus. Je ne crains plus rien, vous entendez? Plus rien. Non. Donc le lutin auquel nous avons parlé sur la colline étoile. En fait, c'était la princesse Xampi qui était enfermée à l'intérieur. C'est fou ça. Ce qui explique comment elle a fait pour prendre une voix aussi aiguë avec l'étoile, parce que elle a une voix ridicule. Je vais vous donner une belle récompense pour m'avoir libéré. Et ma sœur, ma belle et adorable sœur, je vais la venger. Thank you.
Kebab, mozzarella, pizza, chipolata. Oh, attention. Mario, Luigi, je vais vous aider. Lancez l'étoile sur les zombies, comme ceci. Ok, alors let's go. Hop. Bof. Oh là, ça va trop vite. Oh. Oh, wesh, wesh, wesh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le ending game? Alors, j'ai cru que tout le monde vivrait heureux avec une reine Xampi hyper grosse. Ah, wesh. Bon, bah. Voilà, voilà, ça continue, hein. Alors, voilà. Je vais continuer à commenter, comme toujours. Alors voilà, Mario et Luigi, ils sont un peu dans le bon drap. Mario, il s'est un peu fait marave. Alors il va quand même s'utiliser un peu tes champignons. Ah. Et Luigi, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, peut-être un petit coup du trampoline. Ça peut le faire. Ah, 15 de dégâts, 12. C'est pas mal, wesh. Ah, par contre, l'arnaque, c'est que, wesh, ça veut dire que le combat d'avant, là, ils ont même pas gagné de l'expérience en battant la princesse Xampi. C'est idiot. C'est de l'arnaque. Que 159. Ah, forcément, elle est grosse, du coup, bah, elle a une bonne défense. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est raciste, ce jeu. Car wesh, Luigi, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ah, Luigi, il a GG. Il en a détruit deux d'un coup. Ah là, faut être attentif. Ah, ça va très lentement, en fait. Ah bah non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Elle fait des dégâts de ouf. Attendez, direct super one-up là pour Mario. Ah, faut souvent leur quinquer quand même. Hein. Faut qu'il arrête de mettre beaucoup de sauce dans ses pattes. Hein. Hop. Allez, là ça va peut-être faire un peu plus mal. Alors 15 pareil. Ah ouais, ça vaut vraiment pas le coup cet objet. Faut juste tenir le coup. Hop, le faire très longtemps. Ça peut être plus puissant que le canon. Oh là 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 là, les bébés Luigi, pourtant j'ai... Pourtant voilà, ils... Le bouton X, voilà, il a bien marché, mais c'est bizarre. Peut-être un input là, gars, wesh. Oh. Oh là là, il refait son attaque. De la mort. Ça, c'est bien joué. Ah bah oui, il faut sauter beaucoup plus tôt, Mario. Ah là là, Luigi. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Carmo? Ouais, un petit coup de Carmo. Hop. Ah, 141. Ah, c'est un peu moins bien que le premier, finalement, wesh. 58 de dégâts. Le contre de la mort de Mario. Encore un coup de canon, wesh. Ça, ça veut dire du 141 aussi. Ça vaut pas le coup, là. Oh là là, 58. Elle prend cher, quand même. Hein. Oh là là, mais Mario, il en défait un seul à chaque fois. Qu'est-ce que c'est cette attaque? Ah, ok. Oh là là, non, je déteste toujours pas ta couche. C'est quand le boss il se rapproche, là. Faut lui donner 40 000 coups. Et ça passe jamais. Ah, voilà, c'est encore pas passé, c'est génial. Ah, c'est compliqué pour les moustaches là. Attends, il y avait toute une armée de vaisseaux là. What? C'est quoi ce bug? Bébé Luigi, il a bien sauté par-dessus, wesh. Ah, c'est de la magie vaudou, je pense que c'est la reine Xampi là. Enfin non, c'est une princesse en fait, ouais. Ah, c'est une princesse qui a pris du poids, quoi. On n'a pas l'habitude de voir une princesse... qui soit aussi grosse que Pierre Ménès.
car wesh. Les plombiers se soignent, Mario préfère ne pas prendre de risques. Hop! Ah là là, Luigi toujours la skill. Ah, encore le chien. Ah, c'est l'une des... c'est la pire attaque, ça. Ah, bouquet de fleurs. Ils vont tester. On va voir ce que ça va donner, le bouquet. Je pense pas que ce soit énorme. On va voir. Et au moins, c'est pour un peu modifier les attaques, hein, parce que bon... pour les spectateurs, c'est quand même moins intéressant de voir un joueur qui utilise tout le temps les canons. Je me suis fait déboîter le caisson, t'as vu ? Oh ! Ça va. Ah ok, je viens de comprendre. En fait, si la princesse Xampi se met très loin, c'est qu'elle fait son petit coup de fourberie là, wesh. Trampoline, ça peut être efficace. Oh là là. Oh là là, ce qu'il est. Oh là là, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe complètement viandée. 94, c'est nul. C'est nul. Ah mais non, elle s'est pas arrêtée là. Mais c'est quoi cette blague? Ah, ça a été compliqué pour les plombiers. Heureusement qu'ils ont beaucoup de champignons en stock. Ah, ils se sont bien préparés les fourmis. Ah wesh, ah, là, faut bien tirer dans le tas, là, Mario. Hop. Ah, ça c'est pas mal. On aurait pu en faire trois. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle demande du thé pour se restaurer. Mais c'est de l'insolence, wesh. Les boss n'ont pas le droit de faire ça, y'a que nous, wesh. What? Mais c'est impossible. Oh, qu'un. Ah, la Peach... Peach est déçue de Mario, là. Bon, bah, Luigi, je pense que... voilà, il est mort. Ah non, 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 non. Ah, ça triche. Wesh. Attends de moi, là. Elle joue encore. Mais c'est pas possible. Ah, pourquoi je me suis planté le bouton? Mais what? Mais, c'est une blague. Mario va pourtant bien sauter dessus. C'est quoi cette hitbox dégueulasse? Mais bon, on vient de s'apercevoir que finalement le Shump ne court pas indéfiniment. Ça, c'est pas mal. Voilà, ils vont utiliser les pastilles, parce que bon, comme ça, Bébé Luigi va aussi récupérer de la vie. Ah ouais, mais c'est... Peach. Wesh, c'était pas une bonne idée, ça. Oh, non. Ah, elle est pas stratège, Peach. Elle est pas très stratège. Hein. Oh là là, il y avait encore un truc. Ah, d'accord. Alors, un petit canon. Ça va faire du bien à sa tronche. Hop. Ah, elle est plus jolie, déjà, comme ça. Oh, pas les 17 de dégâts pour ça dans ta face. Un petit talent pour Lina, vas-y. Ah, j'ai jamais été aussi motivé la wesh pour que les plombiers gagnent. Parce qu'elle a vraiment une tête à claque, quoi. On a envie de la taffer là, avec sa tête de mongol. Ah, je sais que c'est pas bien de se moquer des handicapés. Là. Oh là là. Ça ne compte pas quand c'est un extraterrestre. Oh là là, ça c'est du bien joué. Un petit champi. Quoi? Elle joue encore? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est au premier là de jouer. Oh là là. Je ne comprendrai jamais cette règle. C'est du tour par tour ou de la soumission par tour? Oh, Luigi! Ah, le fiche. Elle se soigne encore, nous restons 60 PV d'un coup là, ça fait mal. Ah, ouais, 80 plus 80 là. Purée. Bon, allez, cette fois-ci, il faut que le trampoline passe là. Faut que ça soit mieux parce que wesh. Là, y'a aucune skill pour le trampoline depuis tout à l'heure. Wesh. Bon, 166, wesh. Bof. Ah, allez, 58. C'est reparti, trampoline. Plus là, il ne reste plus beaucoup de trampolines en stock. Ah, du coup, il faut bien plus de dégâts. Ça, c'est bon. Et là, il faut pas souper. Oh là là, 290 de dégâts, wesh. Ah, purée. Ça, c'est n'importe quoi. Des fois, elle fait, des fois, elle fait pas, wesh. C'est une blague. Ah, Mario n'a pas réalisé qu'il est soigné. Ah, voilà. Oh là là, première victoire. C'est la toute première fois que ce genre d'attaque a été contrée. Ah, ça veut tout dire, ça veut tout dire, wesh. Hop. 141 de dégâts. Du monde.
on ne laisse pas l'arbitrage, il est lamentable. Oui. C'est un coup de pied dans le cul énorme à Platini et à, ses, et à ce qui, la manière dont tu veux arbitrer. Mais, c'est une calamité. C'est une calamité, mais l'arbitrage. J'entends ce que vous dites, mais il n'empêche. Non, mais nous, on va pas se mettre à faire les Français, c'est une bonne sœur. Ah, bah celui-là, il a mis un coup de coude, celui-là, il s'est énervé. Sauf que vous avez. Merde, tous les autres font pareil. Oh. Elle ne se sent pas très bien. Oh là là là. Qu'est-ce... J'aurais dire merci à Pierre Ménès. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle a pris du poids. Et elle a regardé des hentai aussi. En si peu de temps. Oh là là. De nouvelles attaques du coup. Oh Luigi, Luigi. Un de dégâts. Oh là là. Ah c'est la corde à sauter. Ah ouais, je me souviens de ça là, quand on faisait de la corde à sauter, quelqu'un qui tournait là dans la cour de récré. Quelle attaque magnifique. Ah voilà, il faut choper. Attendez, on peut attaquer. Avec le but, on peut attaquer un peu partout. Ah, je suis con des fois parce que justement dans le feu d'action, je suis un peu fini d'être. Parce que là, voilà. Si on attaque directement après, c'est exempté. Ça marche pas. Ça fera qu'un point de dégâts. Ah, donc il faut viser d'abord cette attaque. Peut-être. Voilà, ici. Oh, 150 de dégâts. Ah, purée. C'est même pas visible. Ah, cette attaque encore une fois. Oh là là, c'est aussi, Ah, nos chers premiers sont quand même vachement doués. Ouais, ouais, je vais spoiler, mais c'est le boss le plus dur de Super LoL Saga. Ah, c'est l'ennemi le plus fort. Parce que même dans la saison 3, il va y avoir... ça sera beaucoup plus simple. Ah voilà, j'ai fait mon petit spoil, wesh. Oh là, PNG. Ah mais c'est comme ça marche. Ah peut toujours pas. Et leur demande encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Et wesh, 83 dégâts, c'est quoi ça? C'est un Gekidama. Un espèce de Gekidama. Je pense qu'il fallait suivre les boules vertes et les boules rouges. Fallait additionner toutes les boules. Et connaître le nombre final de... Comment dire, wesh. Plus il y a de boules vertes, si il y a plus de boules vertes, c'est une G, s'il y a plus de boules rouges, c'est mal, tout simplement. Ah, wesh, ils se sont fait des fesses, là. Ah, du coup, ça couronne, elle est vulnérable. C'est un peu stupide de d'attaquer une couronne, mais de l'accès. Ah, c'est finalement plus que la couronne, c'est ce qui protège sa tête. C'est un peu bizarre. Ah voilà, parfait. Ah c'est pas possible, on refait cette attaque. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là là, c'est enfin la fin, wesh! Ce sac à HP est enfin mort! Mais quel talent, ces plombiers! Ils ont vaincu Pierre Ménès! Stupide tête de champignon! Vous m'avez certes battu, mais les zombies survivront! Un jour, nous danserons sur les ruines de ce royaume! Kebab, Chipolata!
On tient mal là. C'est pas l'été. Ah, on y croit vraiment avec cette voix de d'Otarfiole. Le prince Xampi était un vieux champignon, et vous l'avez eu. Waouh, quelle insulte incroyable. Un vieux champignon. Bon bah je crois que je vais me tailler moi. Allez, je vous laisse célébrer votre magnifique victoire. Ah moi que qu'il se passe encore quelque chose, wesh. Ah je sais pas. Bon, je pars, mais hein, je vous ai à l'œil, wesh. A plus. Mario, Luigi, merci infiniment. Vous avez sauvé le royaume champignon du temps présent. Je suis tellement contente. Ces champignons vénéneux, comment nous en débarrasser? L'œuvre perfide d'Exampi couvre toujours nos terres. Ah, le champignon! Comment? Les larmes de bébé? Oui, ou de l'eau, juste. L'hydroflotte. Activez-le! L'hydroflotte pulvérise un liquide qui ressemble à des larmes de bébé. Si nous pouvions le répandre sur nos terres, l'exorpie disparaîtrait tous. Je suis abasourdi. Les effroyables exorpies sont vulnérables aux larmes de bébé. Mon trésor! Prince Bowser, s'il vous plaît, renoncez! Regardez, même la machine spatio-temporelle a été restaurée. Je l'ai conçue pour qu'elle puisse... pour qu'elle puise son énergie dans les failles spatio-temporelles. Professeur, est-ce que ça a marché? Qu'est-il arrivé? Oui, une fois en possession de toutes les informations, j'ai mis notre plan à exécution. La pluie de larmes de bébé a dissous tout l'exempi. Nous avons réussi. Nous voilà débarrassés de ces vilains Xampi une bonne fois pour toutes. Hourra! J'y crois à mort! Oui, et il est temps pour nous de retourner à notre époque. Les papis Xampi doivent se faire un sang d'encre. Quelle pagaille! Au fait, il y a une curiosité à voir ici, au château. Ne vous en faites pas, vous pouvez repasser plus tard, vous savez où me trouver. Princesse! Oh ma chère princesse, vous êtes saine et sauve! Merci, nous devons à Mario et au bébé une fière chandelle!
Princesse, je vous en prie, venez par ici. Mario, bienvenue à la maison. C'est toi le meilleur, Mario. C'est toi le king. C'était donc toi, Mario. Enfin, de retour, Mario. Youpi, Mario. C'est bon de te revoir. Tu as bien fait d'aller dans le passé pour retrouver Mario. Mais tu sais, tu ne peux pas oublier tes devoirs de citoyen. Tu es un stagiaire, Luigi. Je plaisante. Bienvenue à la maison, Luigi. Vous êtes prêts, les garçons? Luigi, c'est bon de te revoir. Vous devez tous être très fatigués. Je vous en prie, venez par là. Ah, on retrouve notre bon vieux chaton. Sauvegardons. Oh. Si vous avez oublié de prendre ou de faire quelque chose, je peux vous conduire au moment qui précède le sauvetage de Peach. Voulez-vous le faire? Non. Non. C'est stupide. Pardon? Hop. Oh, vous avez sauvé la princesse et le royaume. Toutes mes félicitations. Maître Mario, Maître Luigi, jeune Maître Mario, jeune Maître Luigi, et fourre-tout. Dans ton cul. Du fond du cœur, je vous remercie d'avoir sauvé notre princesse Peach. Veuillez approcher, messieurs, j'ai une requête à vous soumettre. Et maintenant, enfin, je dois dire adieu à mon jeune et exubérant ego. J'ai l'impression que vous avez hâte de vous débarrasser de moi. Oui, vous avez une imagination particulièrement fertile. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ceci est arrivé? Il est apparemment tombé du ciel et a atterri dans un trou spatio-temporel. Puis il est réapparu dans le jardin de Peach, du château. Cette larve semble ne plus vouloir se relever. Enfin, larve... Si elle se relève devant toi, il fera plus trop le malin devant lui. Attention. Maître Mario, y a-t-il rien que vous puissiez faire? Sautez sur lui, pour voir... Hein? Bébé Luigi, qu'est-ce que ce grotesque champignon veut dire? Je sens mon ventre brûler. Que diable m'avez-vous donné à manger? Bah, peu importe ce que c'était. Je revis. Je revis. Mario, moustache verte. Et vous, les bébés? Je serai sans pitié. Oh mais wesh, qu'est-ce qui se passe là? Y'a encore un boss? Ah, c'est pas la fin. Ah vas-y, c'est quoi ça? Ils vont nous faire le coup plein de fois encore. Oh purée, c'est le retour de Pierre Ménès là. Ah vas-y, faut recommencer. Écoutez un peu. Désormais, vous n'avez plus aucune chance d'attaquer. Je vais vous écraser grâce à mon barrage offensif. Désolé, pas d'attaque. Oula. Ah. Oula. Ah, faut sauter.
Ah, wesh, wesh. Ah, j'ai compris le délire, là. Faut que Pierre Ménès se prenne toutes les boules de feu de Bowser. Ça a l'air mal parti pour les plombiers, wesh. Impossible de tout esquiver, de toutes les esquiver. Oh là là, bébé Luigi gère. Ah oh, purée, il y avait une dernière boule de feu, wesh. Oh là 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 là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me sens pas bien. Oh, ce n'était qu'une formalité, wesh. Bon bah sur ce, hein, je me casse de nouveau, wesh. J'avais pas grand chose à commenter là. J'ai pas servi à grand chose. A plus, hein. Ah, par contre, wesh, je sais pas comment il va faire Oliver Plasma là, parce que 3h30 de vidéo, bah, comment condenser ça en une heure à peu près, wesh. Ça va être compliqué l'épisode 11, ça va être compliqué. A plus, hein. Vu Papy Champy, nous avons eu pas mal de désaccords, mais maintenant que l'heure approche, il m'est difficile de me séparer de vous. Jeune moi, je vous en prie, prenez grand soin de la petite princesse. Ah, jeune princesse Peach, partez avec le sourire. Pour la dernière fois, Choupi, Choupi de Papy. Bébé Mario, Bébé Luigi, merci de nous avoir sauvés. Le royaume est et moi, s'il vous plaît, veillez sur Bébé Peach. Et sur le petit Papy Champy. Petit. Je veux mon marteau. Et enfin, mon marteau, aïe! Je ne suis pas gâté. Est-ce que tout le monde est prêt? Ma chère princesse Peach, vous êtes devenue si belle. Ce fut un grand honneur. Et maître Mario, maître Luigi, merci du fond du cœur. Continuez à prendre soin de la princesse. C'est beau. Jeune moi, gardez la tête haute. Et vous les bébés, merci. Non, en fait, je crois que c'est l'autre vieux, donc... Et vous les bébés, merci. Et ben voilà, c'est la fin. Alors que dire sur ce jeu ? Qui est quand même incroyable. Avec beaucoup de rebondissements à la fin, attention.
Donc voilà, et la très très bonne nouvelle, ça vous le savez je pense, si vous avez suivi ma vidéo sur la vidéo Fichtre 7 ans sur le futur de la chaîne, eh bien bien sûr, la saison 3 reprendra, enfin, la saison 3 sera là, de Mario Luigi, Super LOL Saga, normalement mi-2020. Et peut-être plus tôt, mais je préfère pas m'avancer, plutôt mi-2020. Parce que voilà, là j'ai l'équipement pour capturer la DS en elle-même, et donc ça se passera directement sur une DS. Voilà, et pas sur une Wii U qui émule la DS. Bon, le seul problème, c'est que voilà, l'écran là, comme vous pouvez voir, est assez grand, alors que... la capture que je fais, quand je fais la capture avec la DS, l'écran sera un peu plus petit, voilà. Bon, ça reste toujours de très bonne qualité, par contre. Vous aurez quand même une qualité tip-top. Mais l'écran sera un peu plus petit. Bon. Après, je ne pense pas que enlever les bandes noires sur le côté, ça soit la solution, parce que... après, ça risque de trop aplatir l'image, donc c'est pas génial. Il faudrait aussi que je trouve un moyen d'écouter, enfin d'entendre le son en même temps que je joue sur ADS, parce que oui, quand je joue sur ADS en capturant, j'arrive pas à recevoir le son, voilà. Moi j'ai pas de son, mais par contre après quand on regarde la vidéo, il y a du son, heureusement. Et bon, jouer sans son, c'est pas pareil quand même. Ouais, 2005-2006, la Wii était pas encore sortie. Ah, c'est magnifique, quoi. Quelle fin merveilleuse. Ouais, donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour la saison 3. C'est ainsi que Mario et Luigi gagnèrent une fois de plus le respect du royaume champignon en triomphant du mal et en sauvant une fois de plus la princesse. Nos héros partent vaquer à leurs occupations habituelles en changeant aussi leur mode de vie. Mario part loin en vacances avec la princesse Peach et moi, car la princesse ne sait quoi faire de toutes ses affaires et accessoires. Ces jeunes gens ont aussi un sens de l'orientation peu développé à cause de ces maudits GPS. Je leur fais visiter le monde à ma façon, à l'ancienne. Hey Mario, dépose ta Switch! Et pourquoi tu sors une PS Vita maintenant? Reprenons. De son côté, Luigi a fini son stage avec le professeur Catastrophe. Le professeur était si fier de lui qu'il lui confia une mission bien ardue. Ranger la forteresse maudite de Wario. Excusez-moi, sa maison. Il y a une grosse récompense à la clé. Le professeur Catastrophe sait que Wario est un client riche, rempli de babioles et de trésors somptueux. Mais il sait aussi qu'il est avare. Ça ne va pas être simple. Et moi, j'ai le droit à une conclusion sur ma vie future. Non, tu t'égarpilles d'ici. Tu ne sers plus à rien. Le professeur a été formel à ce sujet. Je suis le prince de la technologie. Vous n'allez pas me laisser croupir comme un vieux cartable après les formations de son maître accompli. Et si, c'est la loi de ces vieilles choses. Si vous contestez davantage, je vous ferai rôtir et ensuite je vous enverrai directement mon meuble qui sera ravi de vous becter. Fais gaffe, je suis pas commode. Vous me le paierez très cher. Je reviendrai vous maudire à l'avenir. Faites donc cela, mon cher. Allez, tu vas. Nom de Josh, marqué, soyez à Larry, il n'aurait pas aimé ça.